Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, غادي نبداو la révision de l'Antigone. غادي نقراو ان شاء الله toutes les scènes de l'Antigone, من la scène 1 حتى la scène 21. Mais pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, غادي نشوفو les 7 premières scènes, c'est-à-dire من la scène 1 حتى la scène 7. On va étudier هاد les scènes هادو, on va voir شنو هما les événements principaux اللي كانوا فيهم et on va étudier شكون هما les personnages et les détails de هاد les 7 premières scènes. Alors, on commence par la première. On a dit que dans la première scène, on a le prologue. Donc le prologue va présenter les personnages qui vont nous jouer la pièce et il va procéder à un rappel des événements précédents, c'est-à-dire à dire que demain les personnages qui viennent faire ça, en même temps, غادي يدير لنا واحد لو rappel, غادي يدير لنا واحد بحال قلتو un bref résumé ديال اشنو كان قبل ما تبدا l'histoire ديال Antigone, شنو هما les événements importants اللي خصنا نعرفو, مثلا بحال الحياه ديال اوديب, بحال كيفاش مات بوليتنيسي تي, وكل شنو هو le problème ولا الخلاف اللي كان بيناتهم. دونك هاد لي انفورماسيون هادو كلهم الا ما كناش عارفينهم, الا ما قريناهمش le prologue, ma radish, nous fermons la pièce de théâtre de l'Antigone. Donc le prologue va présenter les personnages qui vont jouer la pièce et il va faire un bref rappel des événements précédents pour faciliter la compréhension de l'histoire. Radine tout d'abord la deuxième scène. Donc la deuxième scène qu'a trouvé l'Antigone qui fait ma case arfou d'être la première tentative d'enterrement. Il d'être le mohaw le loula, ben je devine quoi? D'être à l'aube, c'est-à-dire mal fajr, qu'un baquet de l'âme se fait acheter chez واحد. خلص واحد la preuve, خلص واحد la pelle, واحد la petite pelle avec laquelle elle jouait quand elle était petite, donc c'est une preuve contre Antigone que les gardes vont trouver plus tard. Fait la scène, Antigone va entrer le palais, elle sera surprise par la nourrice. Donc elle dit la nourrice, et Allah entre le palais, fait que l'occasion de l'île, elle va l'accabler de questions, c'est-à-dire elle sera raccablée. Il a répondu sous la fin qu'un petit mais est-ce que tu étais avec un amoureux? Donc elle dit que fait, elle dit que là où je suis marché, ça d'ailleurs marché amoureux d'elle. Ou Antigone bien sûr, bah je t'arrive, bah je me suis la vérité, Rasgoulia, oui, nourrice, j'étais avec mon amoureux pour ne pas lui dire la vérité. Et donc, croyant qu'elle était avec son amoureux, mais la raison est tout autre. L'enterrement de son frère Polynice. Pour la scène 3, la nourrice va commencer à faire des reproches aux deux sœurs. Parce que la scène 3, Maradis, je vais la nourrice avec Antigone, Radit Troll Ismen. Donc, à chaque fois qu'il connaît un changement de personnage, c'est-à-dire le personnage sur scène, ou la le personnage sur scène, qu'est-ce une nouvelle scène, qu'on a sa brouha scène jida, parce que dans Antigone, mais qu'est-ce que l'inaf l'exeb scène 1, scène 2, scène 3, mais qu'on a fouché donc les scènes. Tariqa l'ouahid, bah je n'ai qu'un qu'smou les scènes d'y en a hier dit, c'est-à-dire qu'un miso ou qu'sèche d'relou les personnages ou qu'sèche rejou les personnages ou qu'sme qu'on a un changement de personnage sur scène, qu'on a sa brouha une nouvelle scène. Donc, donc la nourrice va faire des reproches aux deux princesses qui se sont levées très tôt et qui ne sont pas assez couvertes. C'est-à-dire les deux princesses faqou bkri bzaf ou ma lebsinch mzyan alors que il fait très froid, qu'il bird. Et donc la nourrice, elle joue le rôle de la maman. La nourrice bhal l'oum dialhom, kathen alihom bzaf, kathatof alihom bzaf, ou ki bqaw fiha les deux filles, fesh kathoufhom, mam halinch sahtohom, ou la mam mersahinch kathbri, tchoufhom en très bonne santé. Donc c'est la scène numéro 3. Concernant la scène numéro 4, Antigone va révéler son intention d'enterrer Polynice et Ismène va tenter de la dissuader. Donc Naya a dit qu'on a Antigone avec Ismène. Antigone a dit bouh avec l'intention d'elle avec nia d'elle elle n'a pas réussi de finir son frère Polynice. Bien sûr, ma a dit je goule Ismène Naya bli elle a déjà fait la première tentative, c'est-à-dire le mohawla le oula. Ma a dit je goule Antigone bli d'être le mohawla le oula. Naya a dit je goule elle bli Allah Naya m'chi pour enterrer Polynice. Et donc Ismène je n'aurai dit elle va tenter de la dissuader. A dit haoul t'bdelle رأي ديالها. فاش كنقولوا ديسوادي ماشي بحال كونفانكر. كونفانكر سيتادير كنقنعك باش دير واحد الحاجه, اما ديسوادي كنقنعك باش ما ديرش هذيك الحاجه, كنقنعك باش تخلى على ديك الحاجه. دونك ايل فا تونتي, تونتي هي اسيي المحاوله, ايل فا تونتي دو لا ديسوادي, جاتنا من لا ديسوازيون. D'accord? Donc la dissuasion, c'est le fait de convaincre quelqu'un de ne pas faire quelque chose. C'est des petits mots, les radis, c'est la communication, mais c'est l'examen régional. C'est des mots, les radis, c'est le bac, même après le bac, c'est la dissuasion dans votre communication. Inch'Allah, on va voir beaucoup de termes, c'est les vidéos de communication, c'est le mot, avec un bon style, les radis, c'est le mot,
الناس ونكومونيكو مع الناس ويحسوا بينا اننا عندنا واحد النيفو ديال لو فرونسي اللي هو امبيكابل ان تري بون نيفو دو فرونسي دونك ندوزو دابا لا سين ديالنا لا سين نيميرو 5 دون لا سين نيميرو 5 انتيغون فا سو كونفيي ا لا نوريس هنا غادي ترجع لا نوريس عاوتاني سور سين فاش كنقولوا سو كونفيي ا كلكان سيتادير كتعاود ليه لي سيكري ديالك ولا كتعاود ليه لي سنتيمون ديالك كتمشي عند واحد لا بيرسون اللي كتثق فيها وكتعاود ليها les sentiments d'elle, c'est-à-dire se confier. Elle va se confier à la nourrice pour être réconfortée. Le réconfort, c'est-à-dire le mouasses, bich chouessiha, la jeune fille dévoile partiellement son projet. Elle va dévoiler radis fdah le projet d'elle, l'enterrement de son fils, ou l'akim radis fdahou complètement. Elle va le dévoiler partiellement. Fais-je qu'un goulot partiellement, j'ai même la partie. Et elle va dévoiler la petite partie de son projet. Ma radis goul koul chez la nourrice, radis goul harer. Des petits détails, مثلا غتلمح ليها بلي راه غتموت ولا غتمشي وغتبدا توصيها مثلا elle va faire بحال ان تيستامون بحال اللي كنقولوا وصيه غادي توصيها على لا شين ديالها لا بيتي شين دوس donc elle dévoile partiellement son projet mais la vieille femme n'y comprend rien ولكن la nourrice ما فهمت حتى شي حاجه من دوك التلميحات من دوك لي بيتي زانديس اللي عطاتها انتيغون donc dans la scène 6 انتيغون et Aimon هنا غادي تبقى غير انتيغون مع Aimon غادي تخرج la nourrice ils vont se réconcilier le verbe réconcilier donc la réconciliation هي الصلح فاش كتصالح مع شي واحد تصابيل لا réconciliation après une dispute amoureuse c'est-à-dire مورا ما كانوا دابزو la dispute هي الخلاف ولا الشجار donc la réconciliation et la dispute ce sont deux mots contraires l'un est le contraire de l'autre عاوتاني هادشي دخلينا في la communication donc la dispute et la réconciliation sont deux mots contraires غادي تصالحو مورا ما كانوا مخاصمين et lui fait jurer de ne pas poser de questions sur la décision qu'elle a prise concernant leur séparation ça veut dire quoi هنا Antigone غادي تقول Aimon انا غادي نقول لك واحد لا ديسيجن غادي نقول لك واحد القرار خديته ولكن حلف ليا بلي ما غاديش تسولني من بعد علاش خديت هذاك القرار دونك elle lui a fait promettre elle lui a fait jurer de ne pas poser de questions après lui avoir dit sa décision شنو هي لا ديسيجن ديالها هي tout simplement la rupture c'est-à-dire غادي نهيو هذيك العلاقه اللي كاينه بيناتهم وغادي تفارقوا la décision c'est la rupture donc après هاد la décision هادي اللي غتقول لي ديال la rupture Aimon ما عندوش الحق يسولها يقول لها علاش on va rompre علاش on va se quitter donc هنا غادي سالي هنا كتسالي la scène 6 ديالنا On va passer maintenant à la scène 7. Dans la scène 7, Ismen va tenter de raisonner sa sœur. Donc, elle va tenter de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie. Donc, renoncer, c'est تخلي. باش تخلي على داك la folie ديالها, داك الحماق ديالها. Mais Antigone lui apprend qu'elle a déjà accompli son acte. Elle a enfreint la loi de Créon. Donc, هنايا فهاد la scène هادي بالضبط, Ismen كتحاول تقنع اختها, كتحاول ترجع ليها عقلها. Elle tente de la raisonner pour lui faire changer d'avis, pour ne pas enterrer son frère. Mais Antigone est obstinée, Antigone est têtue, Antigone est rebelle, elle est entêtée. عقلو مزيان على هاد الكلمات. Elle est obstinée, têtue, entêtée, rebelle. Elle n'en fait qu'à sa tête. باغي دير غير داكشي اللي في عقلها. Et donc, elle a déjà accompli son acte. Elle va dire à sa sœur, Nefin Radi Tgoul Khsabli, elle est déjà partie à l'aube pour enterrer son frère. Elle a déjà enfreint la loi de Créon, c'est-à-dire Khtarkat Hedek Lkanou, leader Créon, Lihua, quiconque ose enterrer Polynice sera condamné à mort. Et Yuahed Tchara. يدفن بولينيس يدفن لو كور دو بولينيس غادي تحكم بالاعدام سواء كان شخص من العائله ولا كان شخص من لو بوبل من لو بوبل دو تيب دونك هكذا غادي نكونوا سالينا لي 7 بروميير سين ديال انتيغون جيسبر كو فوز افي تو كومبري دونك سي تو بور لي سين ديالنا شفنا 7 بروميير سين ديال انتيغون جيسبر كو مون اكسبليكاسيون ايتي كلير كوم توجور نوبليي با دو فوز ابوني سور مون كونت انستغرام بور ريسيفوار لي فيديو اي لي لايف لي كندير نوبليي با اوسي دو فوز ابوني سور ما شين يوتيوب pour recevoir les vidéos non seulement dès le 6e de la première année bac mais aussi des vidéos liées inchallah de la communication ou de le français en général je vous souhaite beaucoup de chance et bon courage pour votre examen et à bientôt pour une nouvelle vidéo